Non. Comme tu peux bien voir, c'est un grand jour aujourd'hui. Allez, va nous montrer ton mari. Hein? Je suis là. C'est un grand jour. Hey. C'est vrai. Comment allons-nous appeler ce qui est arrivé à la famille de Oledji?
Comment le comprendre, étrange? Comment le feu peut sortir de nulle part pour tuer les gens qui viennent à peine de se marier? Ah. Ce n'est pas du tout ordinaire. C'est étrange. Ma femme. Sa Majesté. Je suis sans mots. Et je ne dirai ni ne ferai rien du tout. Jusqu'à ce que je voie le Ezemo. Va à l'intérieur et repose-toi. Il se fait tard. Oui, Sa Majesté. Vive le mariage! Ouais! Vive le mariage! Ouais! À jamais le mariage! Ouais! C'est bien dommage que le père de Ifoma ne soit pas là aujourd'hui pour assister à ce grand mariage. Parce que sinon, il aurait été l'homme le plus heureux sur cette terre aujourd'hui. Vas-y, Ifoma. Vas-y et montre-nous ton mari. Ma chère fille, va et montre-nous ton mari. Vive le mariage! Hey! Vive le mariage! Hey! 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 Ah! 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 Hey! Ah! 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 C'est vraiment mortel. Non, on n'y va pas, on n'y va pas, attends, on n'y va pas. Se passer dans la dernière parcelle d'Ichiokudo. Maintenant, c'est Mazi Okeke et Mazi Chukui. Ezemo, qu'est-ce qui se passe au juste? Qu'est-ce qui se passe, Ezemo? Hein? Votre Majesté, j'ai désespérément cherché des réponses. Mais la vérité, c'est que... je n'ai toujours pas reçu un quelconque message des dieux. Et je sais que tout ça doit être les dieux. Ils doivent avoir une raison de nous cacher cette vérité
au lieu de nous aider face à ce problème que nous vivons. Et je ne sais pas où. Je n'ai pas cherché les dieux désespérément. Mais ne vous en faites pas. Ne vous en faites pas, votre majesté. Dormez bien. Dormez bien, votre majesté. Comment est-ce qu'un homme dont la maison est en feu bien dormir? Comment ça? Sa Majesté, as-tu eu un message venant de Dieu? Les dieux sont silencieux. Hé, qu'allons-nous faire, Sa Majesté? Père, si les dieux ont décidé de garder silence, qu'est-ce qu'on est censé faire? Majesté, j'ai bien entendu. Et partout il y a de la volonté, il y a toujours un moyen. J'ai besoin d'un bouc et d'une chèvre pour faire un sacrifice qui va mettre fin à tout ceci. Grand sage, à part la chèvre ainsi que le bouc, as-tu besoin d'autre chose? Le reste, j'en trouverai. Chameka? Oui, le grand sage. Conduis-les au sanctuaire. Et rassure-toi qu'elles ne regardent pas en arrière. Ou elles vont mourir. Oui, j'ai bien compris, le grand sage. Esprit, toute force, toute puissance qui arrive pour prendre un homme et une femme qui s'unissent pour le mariage, venez maintenant prendre votre sacrifice et restez silencieux pour toujours. Couvrez les fosses. Thank you.
décidé d'épouser Nandé. Et personne ne m'arrêtera. As-tu parlé à tes parents à propos de ça? À chaque fois que j'essaie d'en parler, ils m'arrêtent. Avec eux ou sans eux, je vais épouser Nandé. Tu es trop jeune pour te précipiter au mariage. Regarde-moi. Il est vrai que j'ai déjà pris de l'âge. Je ne vais pas me précipiter, sachant ce qui nous était arrivé, mon mari et moi. Là, c'est toi. Moi, j'ai déjà pris ma décision. Si j'étais à ta place, j'allais écouter la voix de la raison. S'il vous plaît, elle a déjà pris sa décision. Vous devez la laisser tranquille. De quoi vous vous mêlez? Qu'est-ce qui prouve que cette scène va se répéter? Après tout, certaines personnes sont plus chanceuses que d'autres. Ok, c'est pas grave. Partons, Adèle. Laissons-la. Viens, on y va. Père, je crois qu'il est temps pour moi d'aller payer la dot au Gauthier. Fiston, je le sais. Mais je crains que ce qui est arrivé aux autres ne t'arrive à toi. Tu es mon unique fils. Et je ne peux pas risquer une chose comme celle-là. Mais Oboko, après avoir nettoyé la terre, il avait dit que tout le monde peut se marier. Laisse-moi te rappeler quelque chose. Ce qu'un vieillard peut voir étant sur le sol, un enfant ne le verra jamais, même si il montait au sommet d'une montagne. Exact, il l'a dit, il l'a prononcé, des mots de sa propre bouche, qu'il a purifié la terre. Mais ce n'est pas le premier à l'avoir dit. J'ai parlé. Igwe. Vive le mariage. Yeah! Vive le mariage. Yeah! Vive le mariage. Oh! Odogu Adidija a parfaitement rempli de sacrifices. Aujourd'hui, de la part du roi ainsi que des anciens de notre royaume, bien dit, je veux vous prouver à vous tous que le sacrifice avait été un succès. Et c'est ce pourquoi je suis en train de donner ma fille en mariage. Grâce soit rendue au Dieu. Ekemma, ma très chère fille. Omali Tiam. Prends cette boisson et montre-nous ton mari. Omalicia Mwam. Eh où? Ah, tu as apprécié énormément ces filles. Omalicia. Le monde nécessaire de déconner. Odogu Mwam. C'est comme un rêve. Oh. Je crois qu'elle est qu'elle ne pas de Applaudissez fort. Avec quoi? Que vive notre royaume. Que vive le mariage. Que vive le mariage. Let's go!
Oui, Sa Majesté. Pourquoi, ma chère fille? Non, pourquoi, ma fille? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a? Majesté, Majesté, le pire est arrivé. Le pire est arrivé à nous. Mais dites-moi, la fille de Chewbacca est morte. Hey! Le feu l'a consumée, elle ainsi que son mari. Encore? Hey! Exact. C'est quoi tout ceci? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'on a fait? Mais où jusqu'avons-nous fait? Et que sommes-nous censés faire? Père, cette histoire va de mal en pire. Sans rien ma chère trop. Fille. Ma chère fille. Hey, ma chère ma fille. Moi, nous. Ma chère fille. Ma chère fille. Votre Altesse, quelque chose s'est mal passé quelque part. Et ça, il faut que je le corrige. Ce soir, demain, rassemblez les gens qui se marient en ma présence. Alors je combattrai toute force qui viendra me défier, moi, le grand Adjiridja. Adjiridja? Oui, mon roi. Es-tu sûr de ce que tu es en train de dire? Oui, mon roi. Es-tu sûr que cela va marcher, Adjiridja? Oui, mon roi. C'est d'accord. Nous ferons cela. Mon amour. Chérie. Tu sais que je t'aime. Mon étoile du matin. Es-tu sûr que tu es prête à faire ça avec moi? Mon amour. Oui. Peu importe où tu iras, j'irai avec toi. Je suis prête à tout pour toi. Je t'aime de façon incommensurable. Moi aussi, je t'aime. Edika! Edika! Je veux que tu t'éloignes d'elle! Je veux que tu t'éloignes de ma sœur! Mais qu'est-ce qu'il y a? Mais on se chamaille? Mais pourquoi tu te comportes comme ça? C'est la dernière fois que je te vois avec elle! Regarde ces stupides. Entre à l'intérieur. Tu restes encore là? Papa, tu me cherchais? Oui, assieds-toi, mon fils. Fiston. Oui, papa. Cette série de morts est une indication que rien ne va encore bien dans ce royaume. Alors, je t'en prie, oublie un peu le mariage pour l'instant. Est-ce que tu me comprends? Tu as raison, papa. Ce n'est pas la chose à laquelle nous devons penser en ces moments. Merci beaucoup, papa. Je t'en prie. C'est bon maintenant, tu peux aller à l'intérieur. C'est quoi? Silence! Tout est déjà sous contrôle. Vous pouvez continuer. Ah!
réussi à faire ce que aucun n'a pu faire jusque-là. Là, les gens sont mariés. En tant que mari et femme. Les restes maintenant vont se marier et rien ne va leur arriver. Leurs parents ne sont pas venus parce qu'ils pensaient qu'ils mourraient. Ils étaient donc remplis de peur. Maintenant que les dieux de notre terre nous ont accordé leur pardon, allez-y nous montrer vos maris, afin que notre joie soit complète. Que vive le mariage! Hey! Que vive le mariage! Hey! Que vive le mariage! Oh! Hey!
mon Dieu! Eh mon Dieu! Le feu! Eh mon Dieu! Le feu! Le feu! Le feu! Eh mon Dieu! Le feu! Le feu! Le feu! Et des ah! 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 Pourquoi vous nous faites ça? Dieu de notre terre, les dieux de notre terre, qu'avons-nous fait pour mériter tout ça à chaque fois que nous organisons un mariage? Qu'avons-nous fait? Dieu de notre terre. Oh non. Qu'avons-nous fait, mon fils? Avons-nous enfreint la loi du mariage? Dis-moi, mon fils. Je n'ai pas le temps de se poser des questions comme ça. Pour l'instant, je ne pense qu'à survivre, c'est tout. Je ne pense qu'à ça. Ça, mon fils. On y va. Allez, faites un effort, s'il vous plaît. Qu'allons-nous leur dire maintenant? Nous n'avons aucune réponse. Qu'allons-nous leur dire, les parents de ces enfants, qu'allons-nous leur dire? Que leurs enfants sont morts comme ça? Oh non! Qu'est-ce qu'on va leur dire? Dieu de notre terre, quel péché avons-nous commis? Qu'est-ce qui se passe dans notre terre? On ne comprend plus rien. Allez, ma soeur. Mon pied. Mais qu'est-ce que tu faisais là-bas? Allez, lève-toi. J'ai très mal au pied. Mon Dieu, sois forte. Mon Dieu, qu'est-ce qui nous arrive? Nous n'allons plus nous marier dans ces villages. Je ne vais pas mourir. Je ne vais pas mourir. Je ne vais pas rester ici quand même. Je ne vais pas mourir. Je vais me marier. Je vais me marier. Arrête. Je vais me marier. Je vais me marier. Je ne vais pas mourir. Je vais me marier. Nous n'allons plus nous marier dans ces villages. Le Dieu. Je vais me marier. Je ne vais pas mourir. Sa Majesté, huit personnes, huit couples ont été déjà consumés par le feu. Sa Majesté fait quelque chose à propos. Le plus tôt sera le mieux. Puisque très bientôt. Sinon, le peuple te regardera comme un lâche. Hey! Allô? Abomination! Hey! Seigneur, sauve-toi la force!
Hey, c'est quoi ça? Combien de personnes? Que je te le rappelle? 8! 8! En un seul jour, et nous ne savons même pas ce qui va arriver après. Aisez-moi, je veux des réponses. Je veux des réponses! Même si ça te prendra jusqu'au bout du monde pour que tu les obtiennes. Vas-y et fais-le très vite surtout. Vas-y et donne-moi ce que je veux, aisez-moi. Hey! Igwe! Qu'est-ce qui se passe? Ça veut dire qu'il n'y aura plus de mariage dans ce royaume. Moi de même, je suis inquiète. Mes sœurs, la première fois que j'avais vu cela arriver, je croyais que leur famille leur avait jeté un sort. Ou soit, ils avaient commis un sacrilège. Mais quand cela s'est produit, encore et encore, j'étais vraiment dans une confusion. Le pire dans tout ça est que il n'y a pas de solution. Les dieux de notre terre, vous savez que du moment où une fille devient mature, et c'est le mariage qui vient après. Et si cela n'a pas lieu, toute sa beauté va en péril. S'il vous plaît, ne laissez pas cette situation nous détruire. Amour qu'élégant, Libia, ta présence est hautement demandée dans mon royaume. Aucun homme n'arrive à croire que Ototuzu n'a rien à voir dans tout ça. C'est avec le feu que Ototuzu est connu. Ce même feu est là en train de tuer notre peuple. Exact. L'esprit de mes pères. Je n'étais pas là quand tout ceci est arrivé. Conduis-moi. Conduis-moi. Agoma. Si tu veux mon point de vue, je pense que tu devrais écouter tes parents. Un mariage sans la bénédiction de tes parents, c'est pas complet. Agoma, je n'ai pas besoin d'une bénédiction. Ils m'interdisent de coucher avec une femme avant le mariage. Et maintenant que je suis mature, l'envie d'aller avec une femme ne fait que brûler en moi. Tu veux que j'arrête? Les rêves de tous les parents et de voir ses enfants se marier. Et non de les voir mourir. Tu connais ce qui se passe dans ces royaumes. S'il te plaît, je t'en supplie. Écoute ce que les gens te disent. Ma décision est prise. Ça reste comme ça. Et une fois que je sors de ce royaume, quel que soit ce qui tue les gens ici, n'aura aucun effet sur moi. L'esprit qui peut voir toutes choses. Parle-moi. Omiri, Omiri Wari. Vraiment, vraiment, Omiri Wari. 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 Il y a plusieurs années.
Ok, bon après-midi. Hey, comment tu vas? Je veux bien. Tu viens à peine de rentrer? Oui, bien sûr. Bienvenue. Comment vont tes parents? Tout le monde va bien. Bienvenue. Ok. Je suis en train de désherber les champs pour ma mère. Ok. Vraiment. Y a-t-il quelqu'un dans la maison? J'arrive. Ah, Tiki. Bienvenue. Merci. Est-ce que ta mère est là? Non, elle n'est pas là. Mais s'il y a un message, tu peux me le dire. Moi, je le lui dirai dès qu'elle est là. En réalité, vous voir vous deux. Je ne t'ai pas saisi. Sommes-nous des inconnus? Bien sûr que non. Tu devrais m'offrir une chaise. Oh, désolé, pardonne mes manières. Tu peux prendre place. Prends place, s'il te plaît. Bienvenue. Qu'est-ce que je peux t'offrir? Rien du tout. Pourquoi tu ne t'assois pas? Ok. Hola, moi. Je t'aime bien. Et tu es la seule avec qui je vais vivre. Et je suis venu te demander la main pour le mariage. Dike, tu as les bonnes intentions. Mais je suis fiancée à une autre personne. Je suis au courant de votre relation, mais vous n'êtes pas encore mariée. Tu sais, la différence entre Obina et moi est que moi je suis prêt pour le mariage et lui non. Je l'attendrai. Tu l'attendras? Oui, je l'attendrai. D'accord. Je n'abandonnerai jamais. Dis à ta mère que je reviendrai. Ok. Hola, ma. Si tu acceptes de m'épouser, Igwe, Igwe, tous les dieux de ce village et tous ces royaumes entiers seront ici. Les jours que je serai le prince, pense à cela. N'importe quoi. Ozoka. Dalo. Je suis en rage, en colère et en même temps triste. Mon gars, qu'est-ce qu'il y a? Oh, Guiné, c'est quoi au juste? Tout mon effort pour prouver à Olama que je suis amoureux d'elle a échoué. Elle va me rendre malade. Je ne dors pas. Je ne dors pas. Comment elle peut choisir cette indigène? Dis-moi.
Elle m'a bafoué. Oui, elle m'a bafoué. Il n'y a que les dieux qui peuvent changer le cœur d'une femme quand elle prend sa décision. Qu'est-ce que tu as dit? Tu veux dire il n'a plus d'autres moyens? Non. Ce qu'il essaie de dire, c'est que tu devrais laisser cette fille tranquille et deviens cet homme auquel elle ne refusera rien. C'est ça. Mes chers amis, venez, j'ai une option. Venez, venez avec moi, venez. Dike, le grand chasseur. Dike. Je vous aime, mes amis. Tu sais bien que j'aime les vins de Paris. Obina, mon meilleur ami. Obina, le fils d'Abodili. Tu es un grand homme pour la grandeur de votre lignée. Dans la partie présente de la situation, qu'est-ce que tu veux? Pourquoi tu poses cette question? On a grandi ensemble. Pendant tous les jours de notre enfance, on ne s'est jamais querellé, encore moins battu. Nous ne sommes pas des meilleurs amis, encore moins des ennemis. Tu n'as pas répondu à ma question. Qu'est-ce que tu me veux? Obina, j'ai appris que tu as supplié Nana pour une portion de terre à cultiver. Je te donnerai 3 portions si tu veux. Mais le problème est que je n'aime pas cette situation présente. Tu n'es pas paresseux. Tu fais partie parmi les hommes les plus forts dans ce village. Et par-dessus tout, j'aimerais que tu revoies, si tu veux, Obina, je veux... Dike, dis-moi, je sais que tout ce que tu as dit là n'est pas gratuit. Alors, dis-moi ce que tu veux en retour. Les dieux m'ont béni avec plusieurs choses. Je suis un homme heureux, mais je veux juste une chose pour être complet. Laquelle? Obina, tu es le seul qui m'empêche d'épouser Olama. Laisse-la à moi. Demande-moi ce que tu veux. Demande et je te les donnerai. Tu es sûr? Oui. Donne-moi ta vie. Ma vie? Tu sais bien que c'est impossible. Tu peux demander tout ce que tu veux. Tout, je vais te donner. Awama, c'est ma vie. Et la seule raison qui fera ce que je te la laisse est que tu me donnes ta vie. Je vois. C'est clair que tu es vraiment amoureux d'elle. Prends-la. Je lave mes mains et dis tout ça. Ah, d'accord. Alors, mes frères, c'est ce qui était passé. Je crois que je vais laisser tomber parce que les choses ne vont jamais changer. Dike, parle, je t'écoute. Dis-moi, tu veux la laisser partir? Bien sûr. Je crois que c'est le temps de tourner la page et de la laisser tranquille. Cela n'arrivera jamais. Un papillon ne peut pas se comparer à un oiseau. Un oiseau, c'est un oiseau. Et un papillon reste un papillon. Qu'est-ce que tu es en train de dire? Ce que je dis est que tu dois épouser Olama. Et si jamais elle refusait,
personne d'autre ne l'épouserait. Exact. Exact. Une mouche têtue finit toujours sur de la nourriture chaude. Et voilà. Dike, tu es le rêve de toutes les filles de ce royaume. Mais le fait est que si tu étais venu, si tu étais arrivé tôt, ça allait être bien. Nea, je ne comprends pas ce que tu dis. Ma fille et Obina sont déjà arrivés très loin. Et il n'y a que eux seuls qui peuvent mettre fin à cette relation. Mais ça ne sera pas possible. Non, ce n'est pas possible. Je suis amoureuse de Obina. Il m'aime lui aussi. Tu n'as qu'à aller chercher notre fille à épouser. C'est la seule équation qui implique dans le mariage. Né, aide-moi à lui parler. Lui faire comprendre qu'il y a plus important dans cette vie que l'amour. Ok. Je reviendrai dans 2 jours. D'accord. Né, ne t'occupe pas de lui. N'écoute pas tout ce qu'il vient raconter ici. Il croit que je suis l'une de ces jeunes filles qui sont emportées par le mariage. Ma fille, essaie d'y penser. Essaye Né, un tout petit peu. Qu'est-ce que tu racontes? Que je pense à quoi? Il n'y a rien à penser à propos. Je ne suis pas du tout intéressée. Et comment je vais la convaincre? Qu'est-ce qui se passe? Olama continue de me refouler. Tout l'effort pour prouver mon amour pour elle est voué à l'échec. C'est qui ce jeune homme? Qu'est-ce que cet idiot a inculqué dans le cœur de Olama? Quoi? Olama, je dois t'avoir. Peu importe combien ça va coûter, mais je le dois. Olama, il dit qu'il continue de faire la cour. Oui. Qu'est-ce que cela a à voir avec nous? Je devrais être le seul à te poser cette question. Obim, dis qu'il ne fait que tenter sa chance. Quand il sera fatigué, il nous laissera tranquille. C'est toi et toi seul qui as conquis mon cœur. C'est pour toi seul que mon cœur bat. N'aie pas peur, je ne te quitterai pas. De nous deux, la seule personne qui fera en sorte que nous ne puissions pas évoluer dans la relation, c'est peut-être toi. Non! Jamais! Olama, tu es tout ce que j'ai. Rien au monde ne peut me pousser à te laisser. Je te promets. Es-tu sûr? Oui, dans mon cœur. Arrête! Je me sens essoufflée. Je t'aime. Bonjour à vous deux. Bonjour à vous deux. Salut. Je t'aime. Dike. 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 Qu'est-ce qui ne va pas? Je pensais qu'Olama aurait déjà quitté Obina en ce moment.
Et qu'est-ce que tu demandes? Hey, nous les avons vus tous les deux, en train de jouer en amour. Oui. Olama est très têtu. Ah, c'est ça. Mais comme je vois, à chaque poison, il y a l'antidote. Ne vous en faites pas. Bientôt, elle sera dans mes mains, en train de crier. Et que je t'aime. Tu es le plus beau homme jamais vu. Hey. Et je la regarderai dans ses yeux. Et je dirai, tu es mes mots, mon cœur, mon âme. Toi et moi, nous sommes appelés à être ensemble. Seule la mort qui peut nous séparer. Hey, ici, le grand duqué. Hein? Oh, Dicky le bel homme. Hey, le grand animal. Oh, le grand lion. Dicky. Hey, Dicky. 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 Dicky l'animal. Attends. Je dois t'annoncer quelque chose. Quoi? Dicky m'a demandé en mariage. Dicky. Oui. Les grands chasseurs. Oui. Et qu'est-ce que tu lui as dit? Crois-moi, je l'ai envoyé balader. Olama, Olama, qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Tu as repoussé Dicky à cause de Obina. Obina, les Dicky que toutes les jeunes filles de ces villages courent derrière. C'est bien pour eux. Mais moi, Olama, je suis prise. Bon, tout dépend de toi. Parfait. Franchement. Dieu merci, tu as compris. À toi de voir. Bonjour. Bonjour. Comment tu vas? Je ne vais pas bien. Mais je le serai si seulement tu me dis que Olama va m'épouser. Viens. Viens, mon fils. Viens t'asseoir. Dicky, je suis désolée, mais Olama ne pense pas pareil. J'ai causé avec elle. Malgré tout ce que je lui ai dit, elle fait la sourde oreille. Je te suggérerais de trouver une autre fille. Né, pourquoi tu as dit ça? Olama, c'est ma vie. C'est tout ce qu'il y a de plus merveilleux chez moi. Elle est vraiment tout pour moi. Mon fils, essaie de comprendre. Né, salut. Salut. Bonjour, Obina. Né, est-ce que tu te rends compte? Comment est-ce qu'elle ne réalise pas combien je suis important? Dicky, calme-toi. Mais c'est quoi ça? Calme-toi, Dicky. Ça va aller. Dis-lui que je veux la voir. Hola. Hola, ma. Né. Né. Dicky veut discuter avec toi. Né. J'étais en train de servir Obina à manger. Alors si ça ne te dérange pas, je te prie de me laisser faire. Hé hey! Ça ne peut pas continuer comme ça. Dis que mon fils, calme-toi. Je dis calme-toi. Oh. Ok. Tout ce que j'ai à te dire,
et que je penserai à ça. Fais-le, s'il te plaît. Ça va aller, mon fils. Mon Dieu, mais qu'est-ce que c'est que ça? Hein? Toc, toc. Oneka, One. Olama, comment tu vas? Zike, qu'est-ce que tu veux de moi? Mais, c'est quel genre de question ça? Hein? Tu sais très bien ce que j'ai toujours voulu. Tu sais pourquoi je suis ici, je veux que tu sois ma femme. Hein? Zike, s'il te plaît. S'il te plaît, laisse-moi tranquille. Hein? Donc, je ne veux pas que Obina vienne te trouver ici. S'il te plaît, pars. Biko, ne peux-tu pas me comprendre? Laisse-nous tranquille. Viens ici. Comment oses-tu me parler de ça? Connais-tu qui je suis? Je suis Dike. Les gens dans ce royaume tremblent à ma présence, de même que je fais trembler tous les animaux dans la forêt. Ils s'enfuient tous au simple son de mon arme. Comment oses-tu me parler de ça? Désolé, Uche, j'ai perdu ma maîtrise. Hein? Je suis désolé. Pardonne-moi. Hein? J'ai perdu le contrôle. Hein? Okay. S'il te plaît. Ok. Permets-moi de t'offrir une place. Hein? Ok. Désolé. Ikoko, c'est mon nom. Je m'appelle Ikoko. Quoi? Prends place. Olama! Mais toi, non? Je t'ai Dike! Dike! Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Laisse-la tranquille. Nous l'avons fait. Oui, c'est fait. Bien. Vous êtes vraiment mes amis. Ne vous en faites pas. Je vais vous récompenser. Obina. 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 Timo. Obina. Obina, lève-toi. Qu'est-ce qui se passe? Obina. 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 Obina, réveille-toi. Oh non, ce n'est pas possible. Mon Dieu, non. Obina, réveille-toi. Ah, non, Obina, non, Obina. Ah,
forte. Obinet est déjà mort. Et seul les dieux savent pourquoi ils l'ont pris. Ok? Viens, ma chérie. Hola, s'il te plaît. Écoute ta maman. Écoute ce qu'elle te dit. C'est les dieux qui donnent. Et c'est aussi eux qui reprennent. Ils savent ce qui est mieux, s'il te plaît. Arrête. Mais mon cœur est convaincu à autre chose. Mon esprit me dit autre chose. Autre chose. Autre chose. Je suis convaincue. D'autre chose, maman. Mon cœur me dit autre chose. Maman. Obinet est mort dans son sommeil. Ils seront punis. Pour leur crime. Hé! Hey! Les dieux l'ont permis. Pourquoi ils ont ôté la vie à un homme innocent? Ce monde est un monde très méchant. Ce monde est pitoyable. Oh la ma, ça va aller. Tiens le coup. Ma fille, ça va aller. Oula. Ça va aller, ça va aller. Je pense que Olama souffle les martyrs. C'est le temps qu'elle pense aussi à sa vie. Je sais qu'elle a beaucoup aimé Obina. Mais il est mort. Et personne ne peut le faire revenir à la vie. Je suis venu te parler parce que tu es la seule personne qui peut la faire résonner que la période d'Obina a été déjà passée. Né, pense-y. N'oublie pas que Olama, c'est le seul enfant que tu as. Ike, mon fils. Je t'ai entendu. Je vais continuer à lui dire. Je passerai ici après. D'accord. Au revoir. Oh, Olama, je te parle. Dike, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? C'est quoi ton problème? Olama, je sens ta douleur. Écoute, je sais comment ça fait de perdre quelqu'un de très cher. Je suis profondément désolé. Toi et moi savions qu'on ne peut rien faire pour ramener Obina à la vie. Je sais que ce n'est pas possible. Olama, je suis en train de t'offrir la paix du cœur. Je te promets de prendre soin de toi. Ta mère et toi ne manqueraient de rien. Absolument rien du tout. Ziki, même quand je me déciderai où je serai prête à me marier, ce n'est pas toi que je vais épouser. Oh, Olama, ne dis pas ça, s'il te plaît, ne dis pas ça. Hein? Pour te dire la vérité, Dike, la seule chose que tu peux épouser, c'est mon cadavre. Oui. Merci beaucoup, mon amour. Tu sais que je ferai tout pour toi.
Approche ici. Approche. Qu'est-ce qui s'est passé? Je t'attendais depuis. Je suis tellement désolé d'être distant. Mais je veux que tu fasses quelque chose pour moi. Dis-le. Quoi? Sais-tu que les conséquences de cet acte, c'est la mort? Oui, je sais. Je sais et je suis prêt de faire pour toi tout ce que tu demandes. Demande-moi n'importe quoi et je te donnerai. Qu'importe ce que je vais demander. Ok, oui. N'importe quoi. Marie-moi. Marie-moi. Approche. Je suis prêt à tout faire pour toi. Il n'y a rien que je ne puisse pas faire pour toi. Je le ferai pour toi. Considère que c'est fait. Fais très attention là-bas. Hugo, aide-moi à déposer ces trucs. Derrière, les temps que je fasse descendre ce qui est sur la tête. Fais vite. Ma mère n'est pas encore là. J'attends. Ok. Hey. Mathia. Fais vite, ma mère m'attend. Hola. Hein? Allons-y. Laisse-moi t'accompagner vite. Je dois rentrer apprêter à manger pour ma mère. Merci. Je vous prie de vous présenter ici. Le sceptre du roi a disparu et nous fouillons toutes les maisons d'ici. Le sceptre? Ok, cherchez. Voilà, je l'ai trouvé. Quoi? Tu es une voleuse? Non. Je ne suis pas une voleuse. Tiens-le. Je ne suis pas une voleuse. Tiens-le, avance. Avance. Non, je ne suis pas bouge, une voleuse. Je ne sais pas comment c'est arrivé chez moi. Bouge. Ce n'est pas moi qui ai amené ça à la maison. Non. Sincèrement, je ne suis pas une voleuse. Ce n'est pas moi qui ai volé ça. Non. Elle a volé. Croyez-moi. Je ne sais pas comment c'est arrivé chez moi. Oui, votre majesté, maman. Ma fille n'est pas une voleuse. Votre majesté, s'il vous plaît, écoute-les. Oui, oui,
Je connais cette dame et son enfant depuis longtemps. Je sais qu'elles ne sont pas capables de faire cela. Oui. Elle ne peut jamais voler ton toast. Chut. Ayez honte de vous. Des femmes voleuses, vous avez raison, mon roi. Rendez-vous avec mon sceptre. Hey. Sérieusement, une disgrâce n'est pas ça. Vous voyez quoi? Est-ce que vous voyez bien cela? Est-ce que vous voyez bien cela? Et puis elle prétend qu'elle n'a jamais volé de vous là. C'est ça. Hein? Pourtant, le sceptre bien là. Nous avons une loi dans ce royaume. Que quiconque vole le sceptre d'autorité du roi, lui ou elle doit être enterré en vie. Oui, c'est comme ça. Oui, c'est comme ça. N'est-ce pas ça? Bien sûr, Majesté. Je ne te condamne pas du tout. Mais c'est la loi de ces terres. Oh non. Emmenez-la voir le prêtre. Ainsi j'ai parlé. Et c'est ce qu'il sera tout fait. De suite. Il sait. Très bien. Emmenez-les tout de suite. Emmenez-les. Tu es les yeux de Dieu, mais tu n'as pas pu voir mon innocence. Je suis innocente. Silence! Silence! N'importe quoi. Voleuse, elle ne fait que mentir. Ah!
À coup les gants. Dike. Je te remercie beaucoup. Maintenant, je peux voir l'impact du travail que tu as fait. Dike, je ne peux jamais rien te refuser. Je dois beaucoup à ton défunt père. Je ne peux pas. Merci. Tous les grands esprits de mes ancêtres. Je viens à toi parce que je n'ai personne d'autre. La famille de mon mari refuse de me croire quand je leur dis que ma fille est innocente. Ma fille n'est pas morte d'une mort naturelle. Lève-toi et prouve-leur que l'esprit ne ment pas. L'esprit ne ment pas. Oh, le Dieu de nos ancêtres, où êtes-vous? Le Dieu de nos ancêtres. On y est? Olama! 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 Hey! Hey! Le Dieu de nos ancêtres, où êtes-vous? Olama, où es-tu? Où es-tu, ma vie? Olama, ma fille, où es-tu? Ta maman te cherche, ma fille, oh mon Dieu, oh, ma fille, Olama, Olama, ma fille, où es-tu? Oh, le Dieu de nos ancêtres, où es-tu? N'avance pas.
C'est quoi ça? Qu'est-ce qui lui est arrivé? Hey! Hey, wo! Et c'est ce même feu-là qui tue les gens. Exact! Quand ce même feu a commencé à tuer ces gens qui étaient impliqués dans l'acte, nous avions cherché de l'aide. Et on nous avait dit que c'était le grand Odutuzu, celui qui était allé. Qui était allé pour pouvoir apaiser les dieux. Plus tard, cela a encore recommencé. Nous retournâmes là-bas. Et on nous avait dit qu'il n'avait rien à voir avec tout ce qui se passait. Alors c'est là où commence toute la confusion. C'est là la confusion. Esprit, qui peut révéler toutes choses? Parle-moi! Au moment où on l'enterrait, elle a dit quelque chose. C'est bien fait, mauvaise fille. Mauvaise fille. Les dieux de notre terre. Les dieux de notre terre. Tais-toi, arrête de parler comme ça. Je vous prie de venger ma mort. Pas de paix. Regardez-la. Donc elle vole depuis longtemps. Pas de mariage dans ce village. Ciel. Pas d'amour. Une assez, voleuse. Ne parle plus. Je vous en prie, comment finir avec tout ça? Comment? Il faudra faire. Il faudra faire un voyage. Et cela sera fait par nos jeunes. Et cela vers la forêt interdite. Pour amener les eaux de Ishakba. Et ces eaux seront utilisées pour ôter la malédiction qui a été placée sur cette terre par la jeune fille. Hey! Personne n'a osé entrer dans la forêt interdite. Personne. Cherchez, et les dieux vous montreront le chemin. Frappez à la porte des dieux. Et ils vous ouvriront. Parce que je vois des volontaires. Hey oh. Ah.
nous avons tué une enfant innocente. Hey! Que les dieux nous pardonnent. Hey! Mon amour, tu m'as beaucoup manqué. Mon amour, oui. Je pense que nous devons le faire très vite. C'est le jour de notre jour de mariage. J'en ai hâte. Buvez, je vous le permets. Rien ne va vous arriver. Buvez. Je devrais lui permettre de continuer la dévotion qu'elle faisait. Mon ami, écoute-moi. Écoute-moi très bien. Ce n'est vraiment pas le moment des lamentations. Ce à quoi on devrait penser maintenant, c'est comment trouver une solution, c'est ça? Je pense qu'Intike a raison. En regardant les choses, la situation est allée de mal en pire. Ce qui devrait nous préoccuper en ce moment, c'est les solutions. Les solutions. Qu'est-ce qu'on peut faire encore? Qu'est-ce qu'on peut faire encore? Quelque chose qui est derrière Adibidia, le grand Dibia. C'est peut-être plus grand que le grand Agirija Dibia. Mais n'oublie pas que la protection des petits poussins dépose sur les ailes de leur mère. Mm-hmm. Et on dit que de telles choses n'arrivent jamais sans un message venant de nos dieux. Exact. Aussi longtemps que les dieux vivent, il y aura des solutions. Arrête seulement de te lamenter et sois un homme. Allons-y. 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 Odunaya, nous ne pouvons pas croiser le bras et regarder le jeune de notre royaume périr pour quelque chose que nous ne connaissons ni tête ni queue. Les temps ne jouent pas en notre faveur. Plus tôt nous réagirons, mieux sera pour nous. Mais il faut que tu comprennes quelque chose. Mais qu'attendons-nous de notre roi et de nos anciens? Ils ont déjà fait de leur mieux. Tout ce que nous devons faire, c'est de nous attendre à nos dieux. Oh oui, je sais. Je sais que nous devons attendre les dieux. Mais en attendant, nous ne pouvons pas croiser les bras. Nous devons faire quelque chose. Alors, qu'allons-nous faire que nos pères n'ont pas fait? Ils ont fait de leur mieux. Et leur mieux ne suffit pas. Oh oui, c'est pas assez. Nous devons saisir les taureaux par les cornes. Nous devons faire quelque chose. Nous devons. Je te comprends. Mais qu'est-ce que tu suggères que nous fassions? Si tu veux avoir mon avis, je dirais que nous devons aller consulter. Je vous ai tous rassemblés. Car le futur de ce royaume repose sur vos épaules. À moi auquel le grand Dibia a révélé que la cause de ces incessantes morts pendant les mariages
est le résultat de la mort d'une innocente fille qui avait été enterrée vive dans la forêt interdite. Et ses restes doivent être ramenés dans ce royaume afin qu'ils soient utilisés comme hommage à sa mort. Il y aura un voyage dans la forêt interdite et elle doit être entreprise par les jeunes de ce royaume. À moins que le grand Dibia ne nous a pas demandé de choisir. Il a dit qu'on a juste besoin des volontaires. Je suis volontaire. Tais-toi. Qu'est-ce que tu essaies de faire? Reviens ici. Noma. Le gène d'Amoke. L'événement qui se déroule ces dernières années n'a jamais été vu ou entendu dans l'histoire de notre royaume. Nous devons faire quelque chose. Nous devons faire quelque chose, sinon nous périrons tous. Allons-y. Partons et restaurons la paix sur cette terre. Mes enfants, puisque vous vous êtes portés volontaires de racheter ce royaume de toutes ces incessantes morts, vos noms devront être immortalisés. Et vous tous serez hautement récompensés. Vous avez raison, Majesté. Mon fils, oui, père. Je suis très fier de toi. Depuis que tu as décidé de rendre notre famille fière, que nos dieux t'assistent, qu'ils te conduisent. Et tu devais retourner ici marié. Et je veux appeler ton premier fils Obekainaya. Merci, papa. Allez-y, mon fils. Va de l'avant. Nos dieux vont te guider. Je suis fier. Olachi. Au revoir. Bon voyage. Udoka. Je sais que tu ne me souhaiteras pas bonne chance. Ah, d'accord. Arrête. Dans ton cœur, tu veux que je me rende dans la forêt maudite et que je meure pour que tu puisses récupérer mon homme. Mais les dieux vont te décevoir. Je vais entrer dans la forêt maudite et je reviendrai en vie. Et me marierai avec mon homme. Judy est mon mari. Et je suis sa femme. Je n'ai rien à voir avec Judy. Moi, à ta place, je vais me concentrer sur le voyage. Bon voyage. Garde tes salutations. Je n'en ai pas besoin.
idée, ma fille. Es-tu vraiment sûre que c'est ce que tu veux? Né, je suis une femme. Quelle est l'essence d'une femme sans mari? Né, rien, Né. J'en sortirai sans mes sorts. Prie juste au Dieu de me protéger. Et je serai encore avec toi. Je t'en prie. Né. Ma fille, je t'en prie. T'inquiète, Né, ça ira. Allez. Ça ira. Né, bonjour. Hé, Boubé, toi aussi tu pars? Exact. Quand quelque chose de plus grand que le criquet entre dans sa maison, c'est soit il reste pour se battre, ou bien il s'enfuit. Mon seul avantage est que je n'ai personne pour qui pleurer. Mais je sais que si nous retournons, les dieux nous béniront. Et je me marierai. Et vivrai avec ma femme. Heureux. Né, calme-toi. Né, sois. On dort. Né. Allons. Ça ira. Né, tu es sans contrôle. Je t'en prie. Pas. Allons-y. Reste. Je t'en prie, reste. Né, calme-toi. Né, allez. T'inquiète, ça ira. Oh non. Les dieux sont en contrôle. Restez bien, maman. Que les dieux soient avec vous. Odemba. Arrête-toi ici. Rentre. Veille sur ta famille. Je sais qu'ils sont en pleurs. Je t'aime beaucoup, Sorette. Que les dieux soient avec toi. Et c'est... Pars bien et rentre à la maison, ok? Unoma, reviens. Je dis reviens. Unoma, maman. Unoma. Unoma, tu n'iras nulle part. Je te demande d'aller dire au roi que je suis ta mère. Du fait que ton père n'est plus, j'ai pleinement le droit de refuser qu'importe ce que tu as dit en public. Maman. Maman, s'il te plaît. Maman, s'il te plaît, permets-moi de partir. Je sais que tu ne veux pas que ce qui était arrivé à ma sœur puisse m'arriver. Tu me vois comme un enfant aujourd'hui. Mais bientôt, je deviendrai une femme. Maman, ceci n'est pas seulement question de notre famille, mais plutôt de tout le royaume. Maman. Maman, s'il te plaît. Maman, s'il te plaît, permets-moi de partir. Laisse-moi y aller. Je te promets que je reviendrai. T'inquiète pas. Allez, lève-toi. Que le Dieu te protège et que tu rentres en paix ici. Bonne chance, ma fille. Chibuke, viens. Ça va aller, mon frère. Prends soin de maman. Ne pleure pas.
je reviendrai. Ok? La destinée de ce royaume repose sur vos épaules. Votre retour de ce voyage sauvera ces terres de cette calamité. Ne vous minimisez pas, car vous tous êtes bien plus forts. Toute la fondation est basée sur vous. Soyez sobre, soyez rapide. Et n'oubliez pas que si et seulement si vous osez vous diviser, ce sera la fin. Dieu de nos ancêtres, apparaissez, venez et préparez vos enfants pour ce long voyage. Car ils ne sont que des simples mortels. Venez! Venez! Ah! Venez! Avance. Tu conduiras ce groupe. Prends ceci. Ceci te guidera. Que les dieux de nos ancêtres vous guident tous. Allez-y. Thank you.
son. I do not like Kyungwa. And for the fact that she's leading us this course. Me too. Thank you.
Qu'est-ce que tu penses de Ujumwa? C'est un idiot. Je me demande comment les dieux l'ont choisi pour faire ce voyage dans la forêt interdite. La volonté des dieux n'est pas la volonté des humains. Choisis prochainement tes mots prudemment. Fais attention. Ta décision de t'enfuir avec Nika est très mauvaise. Alors je te conseille de renoncer à ça. Parce que les dieux de vengeance vont vous suivre partout où vous irez. Ike, voici la raison pour laquelle je n'aime pas te parler des choses importantes. Tu es vraiment un homme faible. Et tu appelles ça s'échapper des problèmes de ces royaumes maudits? Les problèmes que nous devons s'asseoir ensemble pour arranger? Est-ce que tu connais combien de gens sont morts en essayant de faire ce que tu veux faire? Est-ce que tu connais combien de couples ont été consumés par ces faits mystérieux? Vas-y, tu es juste faible. J'ai déjà pris ma décision et je n'ai pas l'intention de la changer. Calme-toi, mon frère. Tu es mon frère et je ne voudrais pas que tu meurs. Je veux que tu prennes cette décision comme étant un conseil d'un frère. Assez. Tu ne veux pas assez, que tu sois consumé par le feu. Prends assez. Ces conseils. Tu es vraiment un homme faible, je n'ai rien à te... Tu es faible. Chérie, tu sais que je t'aime. Je ne peux pas vivre sans toi. C'est pourquoi j'ai déjà fait tous les plans pour que nous quittions ce royaume. Nous devons aller vraiment très loin d'ici où nous pourrons nous installer et avoir des enfants. Obim, j'ai peur. Je ne peux te refuser cette discussion de mariage, vu l'amour que j'ai pour toi. Mais tu es sans ignorer les difficultés que nous vivons dans notre royaume. Oui, je sais. C'est pourquoi je veux que nous quittions ce royaume, pour que nous allions très très loin d'ici, où nous allons nous installer et avoir des enfants. Si aller loin d'ici nous mettra en sécurité, je suis tout à fait d'accord avec toi. Oui. J'ai rencontré quelques personnes et elles m'ont dit que si nous quittions ce royaume, nous serions en sécurité. Je veux que toutes tes affaires soient déjà bien apprêtées. Très tôt demain le matin, nous partons. C'est une bonne idée. Laisse-moi aller faire mes bagages à la maison et te revenir. Okay. Ike? Ike? Pourquoi ton visage est comme ça? C'est Amizu. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Il est sur le point de perdre un autre homme en s'enfuyant dans ses royaumes. Je ne comprends vraiment rien. Amizu planifie de s'enfuir avec Neka. Quoi? Pour continuer leur plan de mariage. Quoi? C'est exactement ce que je lui ai dit. J'ai fait tout ce que je pouvais pour le persuader qu'il abandonne ces plans-là. Mais pourquoi? Pourquoi est-ce qu'Amézé peut faire une telle chose vraiment? J'avais récemment entendu qu'il attend que tout le monde rentre de l'aventure. Au moins jusqu'à ce que le village sera totalement vide. Alors nous saurons comment établir certains plans, mais il a refusé. Il a refusé. Il est têtu. Amézé m'a appelé moi, Ike. Naïf. Hey! Je n'arrive vraiment pas à croire que c'est lui qui ait dit ça. Amézé. Je ne sais même pas ce qu'on va faire à ce sujet. Oui, je crois qu'on doit l'aider. Oui, on va l'aider. Oui, on va l'aider en disant à tout le monde dans le royaume. On va le dire à tout le monde à tel point qu'ils vont essayer de les arrêter. Ils peuvent l'aider, oui. Quant à moi, j'ai lavé mes mains. En tout cas, j'ai lavé les mains. Oh. Hey! Hey! Amézo, pourquoi est-ce qu'Amézo peut faire une chose comme ça? Neka, où est-ce que tu vas? Avec tes bagages? Je pars de ce royaume. Je vais aller habiter très loin d'ici.
avec mon chéri pour qu'enfin nous nous marions et avoir des enfants. Au moins nous serons épargnés de ces faits qui consument les couples. As-tu bien réfléchi avant de t'embarquer dans ces voyages risqués? Ce n'est pas risqué. Mais je peur que ce qui était arrivé à Olama puisse vous suivre là où vous serez parti. Oh, Jaco, tu es animé par un esprit qui te fait dire ça. Laisse-moi partir. Mon chéri m'attend. Bye. Amezo, quand deux ou trois personnes te parlent, il faut que tu écoutes. Il faut que tu comprennes que tu es très important pour nous. Pourquoi tu n'attends pas que ceux qui sont allés à la forêt interdite reviennent après la purification? Alors tu pourras épouser Neka. Écoute, je vous ai déjà dit, je vois que vous n'avez rien d'autre d'important à me dire. Vous tous là, tu entends? Je veux que ceci soit la première et la dernière fois que tu vas m'arrêter pour me dire encore ce genre de bêtises. J'ai déjà pris ma décision et ma décision ne changera pas. Mais mon frère... Tais-toi, qui est ton frère? Laissez-moi tranquille. Hey! Chai, donc il ne veut écouter personne. C'est sa vie après tout. Ah, tu es déjà là? Oui, on peut aller maintenant. Oui, je suis prête. T'aime. Oui, d'accord. Ujua. Nos discussions ne te concernent rien. Adako, ferme-la. Adako, il ne faut pas intervenir. Tike, pour le simple fait qu'un enfant ne peut voir au-delà de la parcelle de son père, cela ne veut pas dire qu'il n'en a pas d'autre à côté de celle de son père. Je te suggère de remettre ta langue là où elle doit être. Elle a bien le droit de parler avec qui est-ce qu'elle veut ici. Et Boubé... Je blâme les dieux maintenant que je vais mourir avec des vautours. N'oublie jamais que je ne t'ai jamais menti. Mais je n'ai pas mis en œuvre la force pour la bataille. S'il te plaît, laisse la paix régner. Arrêtez! Je dis arrêtez! Arrêtez! Stop! Mais qu'est-ce qui vous arrive? J'espère que le sujet sur lequel vous débattez est pour l'intérêt de tous ici. Stop! Arrêtez! Ce n'est pas pour ça que nous sommes venus ici. Allons-y!
Allons-y. Je viendrai chez toi ce soir. Il doit arrêter. Hein? Qui vous poursuit? Vas-y, parle-moi. Qui vous poursuit? Amis ou Eneka sont morts. Ils sont morts. Mais qui les a tués? Le feu les a consumés. Le feu! Encore le feu! Le feu encore! Le feu! Je lui ai dit ça. Je lui ai dit, mais il ne voulait pas m'écouter. Mais le feu! Qu'est-ce qui ne va pas encore? Le feu! Ils sont consumés par le feu! J'ai dit ça! Je lui ai dit ça, mais il ne voulait pas m'écouter. Je lui ai dit ça! Ne restons plus ici! On y va, viens, on part! Vite! Mais qui vous poursuit? Neka et Anamezu, elles sont consumées par le feu. Qu'est-ce qui les a tuées? Neka et son fiancé, ils sont consumés par le feu. Donc après les conseils qu'on leur avait donnés, ils se sont endettés pour aller se marier. Neka. Celle qui prétend être hideuse. Et Boubé? Mais qu'est-ce que cela veut dire? Silence, petit bébé. Regardez comment notre hideuse a crié comme un enfant. Seulement parce que je l'ai touché avec ceci. Quelle sera ta réaction quand tu seras face à face avec les démons? Le grand prêtre n'a pas appris à notre hideuse de contrôler ses peurs. Mais malheureusement, mes chers amis. Vas-y, mon cher. Nous sommes dans une forêt maléfique. La source de la peur. Là où les mâles règnent. Mets-tu en question les dieux? Ndike. Nous sommes des petits dieux, donc nous sommes des dieux. Surveille ton langage. Oh,
J'adore ça. J'adore cette force. La force d'un leader. J'espère juste que cette force ainsi que ce courage continueront de croître. Et toi, Noma, tu es la plus jeune d'entre nous tous. Laisse-moi te dire quelque chose, je déteste ton culot. Tu es comme une enfant qui ne connaît pas l'importance des herbes médicales. Et voilà quelque chose appelée cela des simples légumes. Ah, Eboubé! Assez! Eboubé, nous verrons ça. Nous verrons si la guerre qui se trouve devant nous est bien plus rapide que le venin d'un serpent. Ce n'est que l'ignorance qui fait en sorte que le chat ose défier un éléphant pour une lutte perdue d'avance. Amboury, pourquoi? Amboury! Reviens, Amboury, reviens, reviens! N'y va pas, reviens! Amboury! Arrête! Où penses-tu aller comme ça? Amboury! Allez! Non! Reviens ici! Amboury! Où est-ce que tu penses pouvoir aller comme ça? Reviens ici! Je te l'avais dit! Tout ça n'est juste que le commencement! Eboubé! 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 Aisez-moi, je n'arrive plus à dormir. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Quel est ce péché que nous avions commis envers les dieux? Majesté, n'ayez pas peur. N'ayez crainte, Majesté. Il y a une grande différence entre Agrija et Ajamoke. Vous allez tous voir cette différence quand les gens qui sont allés à la forêt interdite vont revenir. Majesté, nous devons compter sur les dieux. Allez à la maison. Je veux demander... Tu veux me demander si les gens qui étaient allés à la forêt maléfique sont déjà revenus? Oui, mon père. Ils ne sont pas encore revenus. C'est vraiment sérieux? N'ai-je pas répondu à ta question? Retourne dans ta chambre. Oui, mon roi. Ici, Koti, mon très bon ami. Je suis finalement parvenu à comprendre pourquoi tu n'es pas allé à la forêt interdite avec les autres jeunes. Je veux dire, je suis vraiment très surpris. Parce que tout le monde te connaît comme un jeune homme très très fort dans ce village. Ah. Et puis, ils doivent être normalement déjà de retour en ce moment. Ils sont supposés être déjà de retour en ce moment, mais nous ne savons pas ce qui se passe maintenant. Parce que nous n'avons aucune nouvelle jusque-là. Nous n'avons aucune nouvelle jusque-là. Alors, je suis venu pour découvrir auprès de toi, s'il te plaît. Parle-moi, grand guerrier de notre royaume. Ike, c'est bien malheureux que je n'ai rien à divulguer à toi ou à qui que ce soit d'autre dans ce royaume. Parce que j'ai un sérieux problème avec ce royaume, actuellement. Alors, va chez toi. Mais, c'est quel genre de problème que tu peux avoir avec le royaume qui peut t'empêcher de parler à ton meilleur ami des choses importantes? Dis-moi un peu. Je ne comprends rien du tout. Ikem, va chez toi et détends-toi. Ils reviendront avec les eaux.
Ok? Ezioyem, je suis ton meilleur ami. Je veux vraiment que tu me parles de ça parce que j'ai peur. J'ai vraiment peur. Alors, s'il te plaît, confie-toi en moi. S'il te plaît. J'ai dit, rentre chez toi te reposer. Ils reviendront avec les os. Ok? D'accord. C'est comme tu veux. On verra. Va dormir. Okoma, qu'est-ce qui se passe? Qui est en train de crier? Ce n'est pas ce stupide Okoro. Il est venu ici te chercher. Jamais de la vie. Moi et Okoro, je lui ai déjà demandé de rester loin de moi dans ce royaume. Le mien, c'est lui prévenir. Va lui prévenir. Va lui prévenir maintenant. Jusqu'à quand allons-nous attendre le gens qui étaient allés dans la forêt maléfique à la recherche des ossements d'Oloma? Je crois qu'ils sont à la recherche de cela. Quand ils trouveront cela, ils retourneront. Dans ce cas, ils doivent faire vite à propos, parce que le jeune fille et le jeune garçon de notre royaume prend de l'âge. Je crois que le dieu de notre terre nous aidera. Je les crois aussi. Oui, hein? Allons-y. Oui. Mes sœurs, savez-vous que Koro m'a demandé un mariage et très bientôt, il viendra payer la dot. Ce n'est pas le même encore que je vis acheter les choses au marché parce qu'il peut proposer une autre fille dans ses royaumes. Mon chéri Okoro? Oui, ton Okoro. Non, je ne te crois pas. Ah, mon ami, je te conseillerai, s'il te plaît, je te le demande, attends que le peuple qui sont allés à la forêt, qu'il rentre. S'il te plaît, mon ami, ou ça, tu ne veux pas appliquer la loi du royaume d'Alomona? Non, 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 non. Ma sœur a raison. Oui, nous oh. t'aimons. Et tu es très important à nos yeux. Tellement, attendons tellement les trop. Dieux. Oh, d'accord, je vais penser à propos. Tu peux imaginer, il ne m'a même pas écouté. Oh, Dieu. Oh. Allons-y. Qui sait ce qui est arrivé à mon frère là-bas dans la forêt? S'il est toujours vivant ou mort? Ma sœur, calme-toi. Avec l'assurance qu'ils nous ont donnée, je peux te dire que ton frère reviendra sain et sauf. C'est ça ma prière. Le Dieu le feront, ma belle. Juste calme-toi. Ok? Je vais essayer. Ça va aller. Majesté. Igwe. Ancien de notre terre, soyez le bienvenu. Igwe. Arrête ça! Vas-tu arrêter ça? Maintenant, va-t'en d'ici! Allez-vous-en tous! Allez-vous-en, vous tous! Majesté, devrions-nous continuer à les attendre? Ils sont partis il y a déjà très longtemps. Exact. Et ce mot m'a demandé de croire au Dieu. Nous attendrons. Va à la maison et dis au peuple de ne rien craindre car ils reviendront. Igwe. Aussi, je suis besoin de me marier avec Okoro. Mais qu'est-ce qui te fait rire? Mais qu'est-ce qui est drôle? Alors, pourquoi tu veux te marier à Okoro? Qu'est-ce qui est arrivé à ton jeune homme? J'ai changé d'avis. C'est avec Okoro que je veux me marier. Ça a l'air d'être sérieux.
ce n'est pas le même Okoye qui a des relations avec le jeune fille de ce village. Peu importe. J'ai entendu qu'il partait au marché juste à cause de ce fille. Et tu veux te marier avec lui? C'est avec Okoro que je vais me marier. Et elle a aussi déjà pris sa décision. Hein? Ok. Je suis juste derrière toi comme une amie, Ngozi. Si tu veux te marier avec Okoro, tu dois attendre les gens qui étaient allés à la forêt retourner. Remercions les dieux parce que rien n'est arrivé dans ce royaume. Désolée de te décevoir, Ngozi. C'est avec Okoro que je veux me marier. Moi, Ngozi, déçue. Elle est malade? Qu'est-ce que c'est? Vous allez rester ici tous les deux. Je vais chercher les autres, d'accord? Je ne tarderai pas à revenir. Sois prudent. Très bien. Agui. Agui. Oui. Ne me dis pas que tu penses toujours pour Obina. Ma chère, je suis confuse. Ezemo m'a dit que c'est ma foi qui fera en sorte qu'il revienne en vie. Est-ce que cela veut dire qu'il ne va pas bien? Ne dis pas ça. Obina se porte bien. Obina va bien. Ezemo nous fait croire qu'ils rentreront sains et saufs parce qu'ils étaient bénis par le Dieu. Alors dis-moi, c'est quoi le problème avec toi? Quelqu'un t'a dit que Obina est mort ou il est en vie? Sans effet. Oui. Obina est toujours en vie. Oui, et il est rempli d'esprit. Maintenant, tu parles bien. Devant les dieux, il ne faut même pas désespérer, il faut avoir l'espoir. Maintenant, parlez de l'endroit où on s'était prévu d'y aller. Je les ai encore à la maison. Tu es sérieuse en me disant que j'irai dans cette forêt seule? D'accord, je vais t'accompagner. S'il te plaît, allons-y. Maman, je te présente Ejike, le fils de Mazingadi, le fermier. Je suis venue te le présenter parce qu'il veut venir payer ma dot. Idioma. Idioma. Maman, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'il y a? Hey, Idioma. Tu veux transporter tout le village dans ta tête? Avant que je parte à la forêt, oh, fais sortir cet homme de ma parcelle.
Ijoma, Ijoma, c'est quoi le problème avec toi? Maman, il n'y a rien avec moi. Tout va parfaitement bien. Es-tu éduquée? Oui, maman. Es-tu de ce royaume? Oui, oui, maman. Oui, maman. Es-tu de ce royaume? Oui, maman. Oh. Je te reviens. Maman! Reviens encore ici, je te préviens. Ma très chère fille, je te préviens. Faut être prudent, sinon je t'arracherai la tête avec ça. Ujoma, Ujoma, je t'attends ici, reviens vite. Les choses vont mal, ma chérie. Ta mère avait raison. Et tu sais qu'elle ne te laissera jamais te mettre en danger. C'est vrai, elle n'a pas tort, elle a raison. Mais tu sais que je t'aime beaucoup et c'est avec toi que je vais passer le reste de ma vie. Tu as raison. Mais nous devons attendre que les gens qui sont allés chercher les eaux de Olama reviennent d'abord. Pour que nous ne soyons pas brûlés comme les autres personnes qui doutaient. Donc tu crois à cette chose? Ije. Écoute, il faut faire les bonnes choses au bon moment. Tu es à moi et c'est là pour toujours. Et rien ne pourra changer cela. Tu me le promets? Je te promets. Non, 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 non. As-tu déjà oublié? Va à la maison. Jusqu'au bon moment. D'accord? Au revoir. Ma chère, n'as-tu pas vu ce qui se passe dans ce royaume? Ou soit, n'as-tu pas entendu? Ijoma, ma sœur, la colère d'Oloma surquille partout dans le royaume, cherchant qui frapper. Ou soit, veux-tu être brûlé? Non, non, non. En ce cas, calme-toi. Ejike n'ira nulle part, il est à toi. Et toi de même, calme-toi et attends le retour de gens qui étaient partis à la forêt. Je ne sais plus quoi te dire. Tu n'as aucun droit d'être aperçu près de moi. Où veux-tu mourir? Encore? Est-ce que c'est un tabou de tomber amoureuse? Non, mais tu es au courant de ce qui se passe dans ce royaume. Oui, je suis au courant. Raison pour laquelle je suis venue te le dire, parce qu'ils sont déjà en route. Rentre chez toi, Amoje, jusqu'à ce qu'ils reviennent et que la purification soit faite. Alors nous continuerons. J'ai juste peur de te perdre. Non. Les dieux nous protégeront, tous les deux. Jusqu'à ce que la purge soit faite. Nous procéderons. Tu veux dire je peux... Mais non, 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 ne t'approche pas de moi. Amoje, va à la maison. Après le nettoyage, je viendrai payer ta dot. Oh, bim. Arrête de pointer cette chose, car c'est évident que tu ne connaisses rien à propos de l'esprit. Car c'est exactement cette chose qui nous a conduits jusqu'ici.
N'est-ce pas possible que ton père ait corrompu le grand prêtre? Car aucun homme ne préférerait une femme plutôt qu'un homme. Éboubé, ça ne sert à rien tout ceci. Éboubé, tout ceci ne sert à rien. Tout ce que nous pouvons faire, c'est de rester unis afin que nous réussissions à cette mission. Ensemble, nous sommes plus forts et divisés, nous échouons. Éboubé, s'il te plaît, écoute-moi, Itiké, s'il te plaît. Oh, tu me supplies maintenant. J'adore ça. Je t'adore. Tu sais, je t'adore parce que des fois, tu arrives à être raisonnable. J'adore ça. J'adore la douce odeur de la victoire. Maintenant, donne-moi le symbole qui fera de moi le leader de ce groupe. Non, cela ne sera pas possible. Alors, il n'y aura pas de paix. Ndike. Ndike. Tu m'as dit une fois que tu ne m'aimais pas. Ta simple présence me donne envie de t'éliminer. La ligne de bataille vient d'être tracée. Si nos chemins osent se croiser encore, Ndike, des têtes rouleront. Éboubé, ne bats pas le tambour de guerre quand tu n'es pas prêt pour la guerre. Quiconque veut danser la danse des esprits doit d'abord apprendre à faire face au sang des morts. Alors je te découperai en pièces et attacherai ta carcasse sur mon cou. Éboubé! Aujourd'hui. Ma sœur, c'est ça ce qui s'est passé. J'avais fait de mon mieux de conseiller Echechi, mais elle ne m'avait pas écouté. Regarde ce qu'elle s'est cherchée elle-même. Mon frère a dit qu'il avait conseillé Odinaka à propos. Regarde maintenant ce qui leur est arrivé. Le mieux que nous devons faire maintenant est que de rentrer à la maison et attendre patiemment l'arrivée de ceux qui étaient allés à la forêt. Ça me revient. Mon frère a dit que ceux qui étaient partis dans la forêt maléfique vont rentrer bientôt. Hey! Es-tu sûr de ce qu'il a dit? D'après lui, l'oracle avait annoncé la nouvelle aujourd'hui au palais. Oh! Que le Dieu de nos terres soit béni. Hey, c'est une bonne nouvelle. D'accord, ma belle. Je dois déjà aller. Nous entendons la nouvelle de leur retour. Mais personne n'a rien vu ni entendu, quelque chose venant d'eux. Ah, j'ai vraiment peur. Non, j'ai vraiment peur. Ikem, n'aie pas peur de qui que ce soit. Garde ça très bien en tête qu'ils ne reviendront pas tous. Mais ils seront là avec les ossements. Veux-tu donc que ce n'est pas eux tous qui retourneront ici?
Et puis tu me le dis courageusement comme ça. Que ce n'est pas eux tous qui vont retourner ici. Exact. Ha! Sikoté. Mais ça, c'était la même raison. C'est la même raison pour laquelle je t'avais supplié. Je t'avais supplié d'aller avec elle là-bas, à la forêt. Mais tu as refusé. Oh! Ikem. Un homme ne va jamais en guerre laissant l'esprit de la guerre derrière lui. Et d'ailleurs, c'est trop tard de crier quand la tête est... Trop tard. Et tu arrives même à me le dire que c'est trop tard, que c'est trop tard. Non, ça ce n'est pas bien du tout. Ce n'est pas bon. Ah. Si nous réussissons à cette mission, quel que soit ce que le roi nous donnera comme récompense, cela sera partagé entre nous tous. Et le nôtre sera trop petit. Vraiment trop petit. Alors, est-ce que tu suggères d'aider les esprits impurs, de réduire le nombre jusqu'à nos deux seulement? Oh, j'adore les gens sages. Exactement. Le roi n'aura pas d'autre choix que de le partager seulement entre nous deux. Hé Boubène. J'adore les gens sages. Hé Boubé. Ces gens ne sont toujours pas revenus. Ah, je n'arrive pas à comprendre ce qui se passe vraiment dans ce village. Ces royaumes commencent à me faire peur. Je ne suis pas sûre que mon ami reviendra. Est-ce que c'est toi qui lui avais demandé de partir? Non, c'est juste que je suis très inquiète à propos d'elle. Je lui avais demandé de ne pas partir. Vous tous êtes encore debout à cette heure de la nuit. Quel est donc le problème? Nous sommes inquiètes à propos des gens qui étaient partis à la forêt maléfique. Qu'est-ce qui va arriver à ces royaumes? Si jamais ils ne reviennent pas en vie... Chut! Ne dis pas une chose comme ça. Les dieux feront en sorte qu'ils reviennent. Oui, les dieux feront en sorte qu'ils reviennent. Il est déjà tard. Allons dormir. Allons-y. Dike, Ebouba avait raison. C'est bien évident que Udoku allait juste mourir. Je devrais seulement dire au grand prêtre que je n'étais pas prête à venir. Je ne suis pas une lideuse. Es-tu en train de blâmer les dieux pour avoir fait de toi une lideuse? C'est fort possible que le grand prêtre avait fait une Stop! Erreur. Stop! Stop, Ojunwa! Quel que soit ce que les dieux font, ils ont toujours une raison. Et je te supplie dans ce cas de commencer à croire aux dieux pour le fait que nous ne sommes rien du tout. Je crois en nos dieux.
Sinon, je n'allais pas être ici. Ujumwa, il y a une grande différence entre croire que les dieux existent et croire en eux. Ujumwa, lève-toi. Lead. Allons-y. Allons-y. Ozwe. Maintenant que Agumwa et Adaku sont hors du chemin, nous chercherons les autres progressivement, et spécialement Ujumwa, et récupérer l'ancien sceptre qu'elle détient. Parce que sans cela, nous n'aurons jamais les os. Oui. Cela veut dire que Tsuke sera le prochain à mourir. Et pour Ntike, mon seul regret est ne pas l'avoir tué pendant que nous étions en train de nous chamailler. Mais je vais lui faire comprendre que quand le drummer change de rythme de son drum, le danseur doit changer le rythme de sa danse. Obi, quand est-ce que tu viendras payer ma dot? Je te l'ai déjà dit et ça fait plusieurs fois. Tu devrais arrêter de parler de ce problème de mariage jusqu'à ce que ceux qui sont allés dans la forêt maléfique ne reviennent. Ou tu veux encore provoquer la rage des dieux? Obi, moi et toi, c'est très bien qu'on ne pourrait pas se pencher dans le problème de ce village. Je commence à croire que si on avance avec ce plan de mariage, on ne va pas mourir, Obi. On ne va pas mourir. Je t'ai prévenu. Et je ne te préviendrai plus à nouveau. Je ne veux pas mourir. Mais si tu insistes et que tu veux mourir, tu peux aller et te tuer si tu veux. Ici, Koti. La dernière fois que nous avions eu une discussion, tu m'avais dit de me calmer. Mais comment veux-tu que je parvienne à me calmer pendant que tout mon royaume est en feu? Les gens sont en train de nous quitter en désordre comme ça et tu veux que je me calme? Bien. Je suis venu cette fois-ci afin que tu me dises pourquoi tu n'étais pas allé à la forêt interdite avec le reste de jeunes qui étaient allés à la forêt interdite là-bas. Ikem, je t'ai demandé de te calmer et d'oublier ce problème une fois pour toutes. Ok? Calme-toi! Essaye de sauver ton ami de ce drame. J'ai vraiment peur. J'ai même appris que rien ne se passe bien pour eux là-bas dans la forêt. Nous ne savons même pas quel genre de combat qu'ils sont en train d'affronter là-bas avec des esprits impurs. Là-bas, dans la forêt.
S'il te plaît, il faut que tu ailles les rejoindre. Non. Non. Je ne peux pas les rejoindre parce qu'il est déjà trop tard. Exact. Alors, va à la maison et reste-y. Trop tard, tu as dit. Trop tard. Le feu. Qu'est-ce qui se passe? Le feu vient d'où? Là-bas. Partout là-bas. Le feu vient d'où? Là-bas. Il y a le feu partout là-bas. Nous avons vu le feu là-bas. Le feu. Attendez. Qu'est-ce qui s'est passé? Le feu vient d'où? Là-bas. Ça provient d'où? Là-bas. Il y a le feu là-bas. Le feu. Ok, calmez-vous. Ah, d'accord, calmez-vous. Quelqu'un peut me dire quelque chose? Quelqu'un peut me dire? Le feu, ça vient d'où? Qui est ce feu là? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est comme ça. C'est de ce côté. Si vous allez comme ça, vous allez voir le feu. Oui, il y a le feu de ce côté. Attends. C'est Itchende qui se connaît. Oui, c'est là-bas qu'il y a le feu. Le feu. Babou. Les enfants, parlez-moi. Parlez. Le feu, ça vient d'où? Le feu a continué. Tu es venu à Onyaka. Qui? Il est là-bas. Tu es venu là-bas. Tu es venu à Onyaka. Hey! Allons-y, allez, viens. Vite. Je suis fatiguée. Hey. Tu nous verras, t'en fais pas. Ujua! Ah!
Toi, tu es encore en train de crier. Oh, tu en veux encore. Je les laisse se nourrir de ça. Je vous la confie sans pitié. Allons-en. Laisse-le courir. Il peut courir jusqu'au bout du monde. Mais nous finirons par l'avoir. Par ici. Hey, Boubena! Mon ami, tu dois arrêter de penser à Obina. Il va bien. Souviens-toi qu'il est dans cette forêt. Il n'est pas seul. Les dieux sont avec lui. Je sais, mais à chaque fois qu'il m'apparaît dans le rêve, il ne me touche pas. Est-ce que cela veut dire qu'il est mort? Hey, mon ami, pourquoi tu peux dire ça? Tu souhaites la mort? Non, je ne le souhaite pas, mais je le sens. Ne t'inquiète pas, il ira mieux, ok? Ok, regarde ce qu'on va faire. Allons-y voir aisément ensemble. Peut-être qu'il a des informations sur la forêt. Merci beaucoup, ma chère amie.
Ok, maintenant j'ai vraiment mon ami. Bonne fille, ne sois plus triste, hein? Je ne veux pas ce genre d'attitude bizarre. Alors, dis-moi, qu'est-ce qui s'était passé au marché la fois passée? Ma belle, pas grand-chose. Avance, avance, avance. Comment puis-je dormir alors que les jeunes de ces terres qui sont allés dans la forêt maléfique ne sont toujours pas revenus? Fiston, je ne peux pas dormir et j'ai besoin de rester seul. Très bien, père. Oswe, par ici. Et vous, on est sur la voie. Je peux le sentir. Mon intuition est toujours la bonne. Sois prudent, ouvre l'œil, Nzube. Très bien. Nous sortirons d'ici, vainqueurs, victorieux. Nous allons retourner au royaume avec les os.
Qu'est-ce que ça te fait, Uzube? D'être immortalisé. Uzube, sois prudent. Je peux déjà sentir la victoire. La victoire. Ouvre l'œil, Uzube. Ouvre l'œil. Uzube, notre temps est venu d'être des hommes victorieux. Ouvre l'œil. Ouvre l'œil. Ouvre l'œil. Rien. Tu veux parler? Les hommes morts ne parlent pas. Je suis Ibubu Dabulago. Où es-tu? Montre-toi. 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 Je suis Ibubu Dabulago, fils unique d'Ochuno. Je demeure victorieux. C'est ma destinée de retourner avec ce qui nous a été demandé. Je suis et je demeure victorieux. Magnifique. Oui, c'est l'os. C'est l'os du Shakba. Mon précieux. Mon précieux. Tu es si spécial. Tu es encore plus spécial parce que je t'ai trouvé. Tu es le choisi. Le choisi. Mon précieux. Moi, Ibubu Dabulago, retournerai en tant que le plus grand homme de mon genre. Plus grand que le roi ainsi que son faible de fils. Et au jour de mon mariage, le royaume entier s'agenouillera devant moi. Je suis le plus grand que les dieux. Ah! Votre Majesté. Mmh.
Majesté. Je suis inquiète. Le jeune qui était parti à la forêt maléfique ont beaucoup traîné. Es-tu sûr qu'ils vont revenir? Obim. À ce stade, je ne sais plus croire en quoi que ce soit. Tout ce que je peux faire, c'est accepter ce que je vois. Car les choses viennent et vont. Va à l'intérieur. Je veux rester tout seul. Mais mon mari... Je t'en prie. Laisse-moi tranquille. Votre Majesté. Les gens qui étaient allés à l'aventure à la forêt là-bas seront bientôt de retour. Qui te l'a dit? C'est mon père qui me l'a dit. Après la réunion de leur cabinet avec les Igwe, il a dit que l'oracle leur a montré. Ah, que le Dieu soit loué. Oui, c'est vrai. Chineke. Je m'en vais maintenant. Nina devine. Quoi? Ne peux-tu donc pas deviner? Tu sais que je ne connais pas deviner. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai appris que les gens qui étaient partis dans la forêt maléfique vont bientôt rentrer. Es-tu sûr? J'en suis très sûre. Qui a dit cela? Izundu, le fils de Chimaduka, c'est lui qui m'a raconté ça. Il paraîtrait que l'oracle l'avait dit au palais devant le roi. Es-tu sûre? J'en suis très sûre. C'est bon alors. Que les dieux soient loués. Merci vraiment. Je suis heureuse aussi. Comme ça, on commencera à se marier. Oui. Je serai la première personne à se marier. Il y a une bonne nouvelle. Bonne nouvelle? Comment? Les gens qui étaient partis dans la forêt à la recherche des ossements de Olama reviendront bientôt. Comment tu l'as su? Chiebuka, le fils de Ichi Oema. C'est son père qui lui avait dit après la réunion des anciens aujourd'hui au palais. Es-tu sûr? J'en suis sûr. J'en suis vraiment sûr. Au moins, les filles de ce village, elles pourront bien se marier sans aucun danger. Ici. Maintenant, Okoro viendra payer ma dot. Jusqu'à ce qu'ils seront de retour et prendre de nouvelles décisions. Ok? Ok. Allons-y. Ike, pourquoi t'es si heureux aujourd'hui? Je suis très heureux. Il faut être moi pour comprendre quelle joie je suis en train d'expérimenter dans mon cœur. En fait, je n'ai jamais été aussi heureux de toute ma vie. Qu'est-ce qui s'est passé, Ike? Le jeune qui était allé à la recherche du reste de Olama vont bientôt être de retour. Oui. Ike, je pense qu'il disait, tu ne peux pas aller dans cette forêt puis revenir. Pas cette fois-ci. Pas cette fois-ci. Les gens de notre royaume étaient vraiment fortifiés, étaient pleinement fortifiés par les dieux. Alors, pour cette fois-ci, ils seront bientôt de retour. Et finalement, la tempête prendra fin. Nous allons pouvoir maintenant dormir avec tous les deux yeux comme ça. Tous les deux fermés. En paix. La paix absolue. Es-tu sûr? Oh, tu me connais. Tu me connais, Ike. Je ne parle jamais des choses dont je ne suis pas assez sûr. Tu me connais bien. En fait, il y a ceci. L'oracle était là-bas au palais. Il était au palais pour transmettre le message. Et il a transmis le message et je suis très sûr qu'ils vont revenir. Ce que j'attends de toi maintenant, c'est d'être heureuse. Hein? Et non croiser tes bras comme ça. Sois heureuse. Hey, Ike, si tout ce que tu dis est vrai, que le Dieu soit béni. Les dieux sont sages. Qu'ils soient loués. Ogechi. J'ai une bonne nouvelle pour toi, aujourd'hui. De quelle bonne nouvelle es-tu en train de parler? Ogechi, l'oracle a porté la nouvelle aujourd'hui au palais. Tu me rends anxieuse. Il dit que les gens qui étaient allés à la forêt, ils reviendront bientôt. Ah,
Qui veut dire que ton frère reviendra sain et sauf et en bonne santé. Que les dieux soient loués. Oh. Alors, sois calme, mon ami. Hein? Il est sauvé. Oh, mon ami. Alors, allons-y. Nena, ma chérie, je vais très bientôt me marier à Emeka, mon amour. Toi, c'est marié, tandis que les gens qui sont dans la forêt ne sont pas encore revenus. Ils ont déjà trouvé ce qu'ils cherchent. Juste le temps pour eux de rentrer. Tant qu'on est libre, on peut se marier. C'est trop tôt pour toi de parler à propos des mariages. Oh. Je te conseillerais d'attendre leur retour. Ma chère, c'est toi qui parles de les attendre. Némeka et moi, nous avons déjà élaboré notre plan. Je te conseillerais de réfléchir avant de faire quelque chose de stupide. Ok. Pense à ce que je dis. Maman, tu n'as plus besoin de pleurer. Pourquoi? Les gens qui étaient partis dans la forêt maléfique à la recherche des ossements d'Olama reviendront bientôt. Qui a dit cela? Ego. Mon ami Ego, tu sais que son père fait partie du membre du cabinet des rois, oui. Il paraîtrait que l'oracle les avait dit ça hier au palais. Hey! Que le Dieu soit béni. Il sait. Hey! Tu sais que je ne vais pas perdre ma fille. Je sais que tu ne vais pas perdre ma sœur. Hey! Que le Dieu soit loué. Oh! Hey! Ma fille, je suis vraiment heureuse. Hey, es-tu sûr? Oui, maman. C'est Isudo qui m'a dit qu'il les avait vus en route pour le palais avec l'os entre les mains. Hey! Que le Dieu soit loué. Que le Dieu soit béni. Si. Tu as vu ma fille? Non, maman. C'est Isudo qui les avait vus et il me l'a dit. C'est pour ça que j'ai vite couru pour te le dire. Oh! Non, Dieu. Oh, yeah. Toi et ta sœur, allez-y vite au palais. Dis à votre sœur de revenir. Allez-y. Hey. Oh, Timo. Igwe, on doit être de retour. Mon roi. Odachi, où sont les restes? Où est donc l'os? Hey, les dieux de nos ancêtres. Olisa, Ikem, Igwe, allez me trouver les anciens de ces terres et les aimons. Maintenant. Très bien, Igwe. Oh, les dieux de nos ancêtres, je vous remercie. Maman, arrête ça. Arrête de faire ça, je t'en prie. Arrête de pleurer, ma soeur reviendra, hein? Maman, tu dois arrêter de pleurer. Tu dois arrêter de pleurer si tu continues ainsi. Que veux-tu qu'on fasse, hein? Arrête. Aïe. Es-tu sûre que ma fille est maman, toujours en... le Dieu qui l'avait envoyée là-bas fera en sorte qu'elle revienne. Donc arrête de pleurer. Aïe. Chico, coucou, que... Le Dieu de nos maman, ancêtres. Maman, ça suffit, arrête. Ne me laissez pas allez, tomber, maman, oh. Arrête. Ne me faites pas la honte, oh. Hey. Oh,
Je dois aller là-bas. Laisse-moi partir. Je dois aller là-bas. Arrête. Je dois aller là-bas. Qu'est-ce que tu veux faire par là? Hey. Arrête. Tu n'iras nulle part. Elle reviendra. Qu'est-ce que tu essaies de faire, maman? Maman, c'est bon. Laissez-moi partir. Arrête. J'irai là-bas. Nous sommes réunis ici avec ce qui nous avait été exigé pour être utilisé pour la cérémonie de la jeune fille dont le sang était versé pour rien. Dieu, venez nous aider à enlever cette malédiction qui est trop lourde à porter. Maintenant, tu bois. Tu bois et puis tu donnes à ton mari. Dès aujourd'hui, tous les deux êtes unis pour le mariage. Reculez un peu. Les dieux de notre terre, venez! 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 Réjouissez-vous. Ouais. Que les dieux soient bénis. Que les dieux soient bénis. Nous avons réussi. Enfin. Merci à nos dieux. Enfin. Nous avons réussi. Nous remercions nos dieux. Merci aux dieux. Merci aux dieux. Oh non. Oh non. Nous remercions nos dieux. Merci les dieux. Nous remercions nos dieux. Nous avons réussi. Enfin, nous avons vaincu. Hey. Nous avons vaincu. Oh non. Oh non. Nous avons vaincu. Viva nous quoi nous. Nous avons réussi finalement.